étape, c'est le prescripteur qui va nous envoyer une fiche navette où on va avoir les coordonnées de la personne et nous, on appelle la personne pour la rencontrer sur un premier entretien. Donc à l'heure actuelle, on a une quarantaine de prescripteurs différents, des professionnels de la recherche d'emploi. Les principaux sont le Pôle emploi, la mission locale, le PLI du Pays de Caen. Mais on a aussi des centres de formation, des communes, des CCAS sur l'ensemble du territoire de Caen-la-Mer. Il y a deux entrées sur notre plateforme. Il y a une entrée phase de diagnostic, où là, la personne va vraiment passer le diagnostic pour mettre en avant les potentiels et les freins à la mobilité. Donc là, on part sur un parcours à moyen et long terme. Et puis, les entrées d'urgence. Une personne a besoin d'une location de scooter pour se rendre sur son lieu de travail la semaine prochaine. Il faut qu'on soit réactif. Donc là, on s'engage à recevoir les gens sous 48 heures. La prestation, ce qu'elle assure, c'est le fait de pouvoir rendre mobile, en louant un scooter, une personne qui est prête à prendre un emploi ou conserver son emploi. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça peut être un CDI d'une heure par semaine ou des CDD d'une heure par semaine. Et nous, dans la démarche, le fait d'avoir un moyen de locomotion leur permet tous les jours, à n'importe quel horaire, de pouvoir travailler. Et la ville de Caen souhaitait qu'on se rapproche, donc ils nous ont mis un local à disposition, ici, où on est en ce moment, au chemin vert, de façon à pouvoir développer et se faire connaître pour que les gens, entre autres de Caen-la-Mer, de toutes les communes de Caen-la-Mer, puissent accéder facilement pour venir chercher leur scooter. Actuellement, je suis en CDD, j'ai un problème de locomotion, donc j'ai fait appel à la plateforme qui m'ont orienté vers la location de scooter. Sous 48 heures, j'ai obtenu mon rendez-vous et je repars avec... C'était très rapide et efficace, ça me permet de continuer mon travail. Voir l'avenir avec de meilleurs jours, en fait. L'association Revive est une association cannaise dont l'objectif est de favoriser et d'accompagner les personnes dans le cadre de leur insertion globale. L'insertion professionnelle n'est devenue possible que si on offrait des possibilités de mobilité. En 2004, il a été imaginé, avec un certain nombre d'acteurs de l'agglomération, mais aussi de la région, de monter un certain nombre d'actions. Revivre s'est focalisé sur l'action Navette. Navette, c'est de la location de voiture, qui a été possible parce que nous avons eu un partenaire historique qui est ERDF, qui nous a donc mis des voitures à disposition. Depuis 2012, en partenariat avec la MEFAC, qui avait des contacts avec la Fondation Peugeot, nous avons eu également 6 véhicules Peugeot mis à disposition de l'action Navette. L'objectif étant d'être au plus près du besoin du territoire et du besoin des personnes. La location de voiture est vraiment une opportunité qui sert d'intermédiaire, le temps, je dirais, de se retourner et de trouver une autre solution plus pérenne. Si je n'avais pas cette possibilité, avec la plateforme mobilité, je ne pouvais pas travailler. Je travaille à Cabourg, donc j'habite à Aéroville. Ça m'aide parce que, sincèrement, je peux pas me permettre de louer une voiture, ça coûte trop cher. Donc là, du coup, cette association, ça aide, c'est moins cher et puis ça aide qu'on puisse travailler. Excusez-moi. La plateforme mobilité, on l'a vu, elle agit à court terme, mais elle agit aussi à moyen et à long terme. Sur nos ateliers mobilité qu'on met en place, nous, au sein de l'INFREP, les personnes vont pouvoir apprendre à se repérer, à se déplacer, utiliser les moyens de transport qu'elles ont à disposition. Et on anime aussi des ateliers d'apprentissage du code. On n'est pas moniteur auto-école, donc nous, on va davantage agir sur la méthodologie. Pour tout ce qui concerne les projets permis, en fait, nous, on va aider les personnes à avoir une vision juste, déjà voir si leur projet est réalisable et réaliste, et avoir une vision juste du nombre d'heures dont ils ont besoin pour arriver jusqu'au permis. Nous, on est donc sollicités lorsque c'est le problème du permis de conduire qui se pose. On propose vraiment un mode d'accompagnement spécifique. À savoir, on propose dans un parcours complet 2 mois d'apprentissage au code. Parce qu'on va travailler sur plein de facettes. Pas uniquement le code pur et dur, tel qu'on pourrait l'enseigner en auto-école classique. La réussite à la conduite, au code déjà, mais aussi pour la conduite, passe par un épanouissement personnel.
On est à 80% de réussite code et conduite. Donc j'ai été orientée à la plateforme mobilité où j'ai fait l'atelier gestion de stress qui m'a beaucoup apporté. Sachant que quand je suis arrivée à la plateforme mobilité, j'étais très émotive. J'ai été très touchée par ce que j'avais vécu dans l'autre auto-école. Après la gestion de stress, j'ai été orientée à l'espace-temps. Ce qui est formidable à l'espace-temps, c'est qu'ils font un travail personnalisé. Ils ont cette aptitude et cette volonté de cerner l'élève pour adapter les apprentissages. Avant de faire l'atelier gestion stress, j'ai fait une évaluation de conduite. J'ai été évaluée à 30-35. Et j'en ai fait une autre après la gestion stress, j'ai été évaluée à 15 heures. Mais j'en ai fait que 10 grâce à leur travail psychologique, grâce à leur façon de faire. Ils m'ont redonné confiance et ça a abouti à un permis qui est très cher à mes yeux. En ce qui concerne les parcours longs, les personnes vont passer par une phase de diagnostic. Donc, ils vont être reçus en entretien. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une bonne connaissance de la personne. On va leur proposer un certain nombre de choses adaptées à leurs difficultés et aussi pour mettre en avant leur potentiel. On se met d'accord avec la personne et la personne s'engage à suivre les ateliers ou les actions qu'on a préconisées pour elle sur la plateforme. Au cours de nos ateliers, on est amené à mettre en place des visites découvertes pour que les personnes puissent découvrir des moyens de transport qu'elles n'ont pas l'habitude d'utiliser. Ça fait pas longtemps que je suis arrivée sur Caen, donc je connaissais pas du tout la ville. Quand je suis arrivée, je m'enfermais tout le temps parce que je connaissais personne. Et quand Pôle emploi m'a envoyé ici, ça m'a beaucoup aidé. Je rencontrais des gens. Et j'ai fait aussi des ateliers se déplacer. On nous a montré comment on prend le train, le bus. Tous les ateliers que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est pour me permettre de trouver du travail demain. Et là, on fait une démarche de microcrédit pour pouvoir acheter une voiture et pour faciliter ma vie professionnelle. La mobilité géographique des personnes que l'on rencontre, je dirais que voilà, il y a une grande partie des personnes qui ont une mobilité très restreinte et dans le cadre de leur recherche d'emploi, c'est fort difficile de trouver un emploi en bas de chez soi. Je dirais que la plateforme, de par leur diagnostic, réussit à bien cibler les besoins de la personne et oriente après, ils prennent en charge complètement la partie mobilité, ce qui nous permet à nous de pouvoir travailler tout ce qui est orientation et parcours de recherche d'emploi pour les demandeurs d'emploi. C'est vraiment un tout.